Salut tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui. On se retrouve sur Dishonored 2 pour l'épisode numéro 3. Alors la dernière fois, ça fait pas mal de temps aussi, comme Mass Effect Andromeda, on s'était quitté, on avait pris ce chariot depuis la ville là-bas, et on était arrivé ici, à l'Institut Adermir. Et je n'étais pas monté. Voilà, je me remets un petit peu les touches parce que ça fait pas mal de temps. Hop. Oh merde, what? Alors, Fred. Non, pas ça. Bien. Revenez ici. Voyons ce qu'il y a. Oh. Inutile de courir. Prends ça. Vas-y, attaque-moi. Aïe. Bon, je me suis fait un peu défoncer. Mais je savais pas qu'ils étaient là, du coup. C'était assez compliqué. Alors, en gros, j'aurais pu me téléporter là-haut pour passer tranquille. Ils sont encore à ma recherche? Non. Donc les ralentissements, j'aime pas ça. D'accord, j'ai trop de cartouches. Oui, c'est vrai que j'ai une arbalète. Vous n'avez aucune chance de toute façon. Merde. On est parti pour tuer tout le monde dans cette mission. Pas un ennemi. Ok. Hall principal. Essayez de pas trop se faire repérer quand même. Ok. Carreau. Il y a des gens qui courent là. Ouais. Ok. Bah, il y a quelqu'un qui est plus loin. Oh, il y avait un truc ici. Oh, mais t'es sérieux là? Vous ne vous échapperez pas. Arrête tout de suite. Prends ça. Hop là. Trop nul ça. Ouf, headshot. Ouh, ça c'était un headshot. L'autre peut-être pas. Hop. Ah merde, je vais pas le prendre. Moi c'est pas grave pour le charme 2, je sais pas quoi, ils me disent d'y aller mais c'est pas grave. Hop. Donc là on pourra pas passer. Par contre là-haut peut-être que oui. Hop là. Je sais pas si ça m'y amener. Voilà. Bon, je vais faire un tour en haut quoi. Bah, il y avait rien. Je pense pas qu'il y ait grand chose. Très bien.
Il veut pas s'ouvrir lui, non, bon. Oh pardon. Le pantin du tueur de la couronne. Hop là, voilà si vous voulez le lire. Ok, plus rien. On y va tranquille. Il devait voir personne à proximité parce que ils ont pas entendu ça. Ah bah il y a quelqu'un quoi. Non non non. D'accord, c'était juste un coup spécial, je pensais que c'était genre j'allais le lancer ou un truc comme ça. En fait, je voulais lui tirer un carreau dans la tête. Oh, putain. Je pensais qu'on pouvait viser. Mais non. Très bien, donc on ramasse pas les carreaux à chaque fois. Oh non. Je pense qu'il y a pas mal de gens en bas. Pas utilisé. Je sais pas où il faut aller en fait. Carte, il faut aller chercher la carte en bas. J'ai du mal à me détendre. Non. Qui ça peut être? Non, 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 non. Oh putain. Hop les, j'étais outbrain. Le docteur Hypatia ne donne plus de consultations. Non, il n'en donne plus. Ok. Tac. Ah non, je crois qu'il avait écrit ouais. Ouais, bah ok. Je sais pas où il faut aller quand même. Optionnel. D'accord. Faut aller au bureau. Comme ça. Hop, recâblé. D'accord, aucun outil. Hop, hop. Merde. Hop là. Ok, bon, allez, on peut monter. Bureau. Alors, on va pas aller aux autres étages, on s'en fout. Quand même, faire une entrée par l'ascenseur, c'est bien. Fais en sorte qu'elle reste à sa place. Hypatia ne doit jamais quitter Adermir. Qu'est-ce que t'attends ? Ne l'oubliez pas. Monsieur, l'autre soir, elle a disparu et j'ai toujours pas compris comment elle s'y est prise. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Caporal, si on vous pose la question, répondez que le docteur ne quitte jamais l'institut, sauf autorisation express du duc. C'est clair? Je crois que j'ai compris, monsieur. Ok, c'est bien, je sais... Oh, merci la rune. Oh, mais c'est pas vraiment là qu'il faut aller... Ah si, je peux sortir. Au bureau.
que je peux rentrer par la fenêtre ou un truc comme ça peut-être. Non. J'ai pas envie de sauter parce que je vais me claquer. Je vais courir. Je m'en bats les couilles. On glisse pas trop. Oh putain, il y a aucune entrée par l'extérieur en fait. Ouais, par là. Il est parti. Non, il est parti. Il est parti et lui il est un peu descendu. Ok, il est juste là. Merde. Voilà. La clé. La clé de je sais pas quoi. Fouiller le bureau. Ouh. Ok. Je pense qu'il faut chercher quelque chose avant ça. Tac tac tac. Je crois que je vais réviser quelques lois pour débarrasser l'Empire des agitateurs. Prisonnière de mon propre laboratoire. Les soldats postés ici me laissent tranquille, mais j'ai parfois l'impression qu'on me surveille. Ce qui m'attriste, c'est de ne plus travailler avec ceux qui avaient le plus besoin de moi. Les ouvriers et leurs familles. Je me sentais si proche d'eux. Chaque fois que j'ai vendu une épidémie de fièvre ou une nouvelle maladie chez les mineurs, je regrette de ne pas être à leur côté pour soulager leurs. Alexandria Hypatia. Ce nom porte du service de convalescence. Ouais, il y a quand même un truc encore à faire ici apparemment, non? Enfin, c'était optionnel, hein. Il y avait écrit optionnel, mais... Je ne sais pas où... Oh... Docteur de médecine, je sais pas quoi, on s'en fout, non? Soda, on s'en fout. Y'a aucun truc pourtant là. Bon, c'est pas grave, on va pas attendre longtemps. Par ici. Toujours là. Ouais, je pense qu'il faut juste descendre un peu l'escalier parce que si c'est par l'extérieur, ça va être un peu impossible. Ok, lui il est là-bas, il s'énerve. Ce bruit. Je vais pas rentrer là-dedans. Oh non, putain, ils sont sérieux. Ça grouille de mouches. C'est pas moi qui l'ai lancé ce truc, hein. J'ai rien fait. Ouais, des mouches. Enfin, moi je dirais pas que c'est des mouches, mais. De toute façon, ça sert à rien de rentrer là. Là, c'est bon. Ok. Non.
de fou là. Eux ils sont morts. J'en ai raté. Quand on casse les nids, ils arrêtent un peu. Cassez-vous. Oh. C'est quand même très bizarre. Cabine de bronzage. Oh. Vas-y, ferme, ferme. Bon, on est pas très bronzé. Hop les. Ces mouches, j'espère. Faut lui parler, ok. Donc elle est pas méchante. Attention, faut. Alors on peut descendre par là. Là, moi je suis un vandale. Voilà. Je trouve le truc sans le cœur, moi. Oh. Hop là, voilà, je mets plein de choses si vous voulez. Ok. C'est très bon ça. Oh, j'en ai marre. Hein. Je fais n'importe quoi. Oh, j'ai une tête dure. Qu'est-ce que c'était rare. Je fouille un petit peu, il y a des choses intéressantes des fois. Ça là, c'est bien ça. Plus elle-même. Elle a conçu un sérum pour aider les mineurs. La première version a horriblement perverti son esprit. Ah, pour moi, c'est trop tard. Mais vous, vous pouvez peut-être encore la sauver. C'est quelqu'un de bien. Que puis-je faire? Dans mon coffre, dans la salle des malades, vous trouverez comment préparer l'antidote. Aidez-la. Le code du coffre est 704. Oh, ok. J'ai toujours rêvé de goûter votre chien. D'accord. Bon, bah en fait, elle est pas... Heureusement que j'ai pas sauté vers elle direct. Elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je dis toujours là, j'ai entendu. Assassiner le tueur de la couronne, trouver le journal de Vasco. Attendez, what? Vers le journal, là y'a rien. Quelle est cette odeur? Vase, oh. Épice du Nord, feu de bois, de mort. Je
cours, je cours, je cours. Non. C'est où? C'est en bas. Ah, c'est en haut. J'ai trop descendu. On va arrêter de courir quand même. Entre nous, compris? Inutile de répandre des rumeurs ridicules. Bien sûr, madame. Je vais essayer de le ramener à la raison. Hein? Vous avez disparu? Hein? Cette porte quoi est sans... Oh putain, elle a... Ok. Elle a vu qu'il y avait une porte ouverte. Ah! Franchement, arrêtez avec ces élevages là. Regarde, ils sont tous stackés là. Stop. Pourquoi? Ils doivent savoir quelque chose. Ah, ça fait rien quand je lui parle. J'ai cru que c'était l'ascenseur qui arrivait. Hop là, lui il sert à rien. Un petit peu regarder avant. Ouais, des pièces. Ok. C'est un... Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 704, il avait dit. Tac, 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 voilà, ça c'est le truc qu'il faut. Les notes de Vasco. Il y avait la clé avec sérum de base. Corps infecté. Tenir du sang infecté. Tant qu'il n'y a pas l'autre meuf qui vient utiliser, voilà. Je suis sûr qu'il est vivant. Non, c'est pas... C'est répugnant. Non. Putain. Laboratoire là-bas. Ah là 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 là. Aïe, dans mon doigt. Je me mets du sang. Allumé. Il y a aucun intérêt de cette chose, c'est ça. Hop là. Yes, le boss sérum. J'espère pour elle que ça fonctionnera. Je peux toujours la tuer ou lui injecter, c'est ça, j'ai encore le choix, j'imagine. Ok.
je sais pas comment ça se... comment on doit le faire. Ouf. Allez. Mais tu veux pas? Si. Un non, cadavre. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Où non. Êtes-vous? Vous rampez comme un rat effrayé? Ah, contrôle. Non, non, non. Je ne veux plus qu'on m'endorme. Je peux la tuer. Je n'irai pas. C'est hors de question. J'ai tué tout le monde sur son passage, mais je ne le tue pas. Elle. Oui. Désolée, je me sens pas très bien. J'ai dû attraper quelque chose en manipulant des échantillons infectés. Non, vous avez été empoisonné, mais ça devrait aller mieux. J'ai préparé un antidote à partir de notes que j'ai trouvées. Empoisonné ? Ça va aller. Je vais vous remettre d'aplomb. Si vous avez besoin de rester tranquille quelques jours, venez nous voir. Mon allié et moi avons un bateau, le Dreadful Whale. Voilà. Je dois m'allonger. C'est pour ça qu'elle va rester assise. Donc, je dois faire quoi maintenant ? Ça me donne envie d'expérimenter sur mes ennemis. Et donc, je dois partir, c'est ça ? Je dois faire quoi ? C'est là-dedans qu'on voit ? Non, c'est pas là. Je sais pas. J, voilà, J. Mission. Oh, ces indices. Je vois pas. Bon, très bien. J'essaie de sortir, peut-être qu'il faut revenir. Je sais pas du tout. Ça me dit encore un truc de service de convalescence là-bas. Comme s'il y avait quelque chose. Sauf qu'il n'y a rien. Je suis quand même allé voir, je coupe. Vous avez beaucoup de mérite d'avoir retrouvé Anton Sokolov. Peut-être qu'il fallait lire ça, oui. Le voilà, vieil ça. Homme est entre les mains de Kirin Jindosh. Donc il y avait de la peinture ici que j'ai pris, et là il y avait une grenade. L'esprit pour lui aussi. Extirper tous ses secrets. Avec ses connaissances, qui sait de quoi notre prodige de la philosophie naturelle sera capable dans le futur. Mais nous avons besoin de vos services, une fois de plus. Ok. J'appuie sur eux, j'ai trop l'habitude des autres jeux. Ok, non, non, t'as rien entendu, toi. D'où est-ce qu'il sortira? Hein? Putain, c'est chiant, lui, il nous regarde. Hop et voilà. Je vais pas me faire chier longtemps. Quand le Mirador sera neutralisé, Megan passera me prendre. Waouh, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Je savais pas que ça faisait ça, moi. Putain. Je savais pas que ça faisait un truc aussi hardcore. À tout le personnel de la grande gare, quiconque soit surpris à des
Putain, pourquoi il est toujours sur moi, lui? C'était mon imagination. Mais quoi? Ils ont passé le portail. Ah, ouf, oh, ok. Il rigole pas. Mais quoi, genre, j'ai pas réussi à passer. Je raconterai ta mort à la taverne. Allez! Mais oh, c'est n'importe quoi! Mais pourquoi? La téléportation ne passe pas! Ok, alors je me suis terré dans un endroit. En fait, dès que la lumière est sur nous, en gros, ils peuvent nous voir quoi, avec le mirador. Ça devient rouge là, comme tout à l'heure. Et c'est lui qui m'avait vu tout à l'heure là. Il me voit encore. T'es mort! Les deux gars là-haut hein, mais là ils ont pas entendu celui-là faire des mouvements chelous, faire des bruits chelous surtout. Bon, est-ce que la téléportation peut passer? Putain, mais c'est pas normal. Pourquoi ça fait ça? Et lui il me voit à travers. Hop, et voilà, enfin. Ça va se finir. On est où? Je sais pas si... Ouais, il fallait faire ça. What the fuck? Vous ne vous échapperez pas. Toi non plus. Toi non plus. Ok, elle arrive. Pourquoi tant de gens ont-ils si peu? Ils ne devaient pas rentrer ici. Je vérifie les environs avant d'y aller. Il y a aussi un truc. Ok, ok. Je fais profit. Ça y est, on peut partir. Je n'aime pas cet endroit. Quand vous voulez. Eh oui. Oui. Retournons en navire. Vous avez trouvé Sokolov? Non. Mais c'est Hypatia, le tueur de la couronne. Quoi? Je ne vous crois pas. Le duc s'est arrangé pour qu'elle s'injecte une version corrompue de son sérum, qui l'a métamorphosée. C'est grâce à l'antidote qu'elle est toujours en vie. Si elle se souvient des meurtres, ils pèseront sur sa conscience. Qu'en est-il de ce colloque? On l'a confié à un certain Kirin Jindosh. Vous le connaissez? Tout le monde le connaît. C'est l'inventeur en chef de Cerkonos. Alors c'est le suivant. J'espère qu'Anton va bien. Yes, du coup je suis carrément dans le létal et l'assaut. Genre, j'ai pas essayé d'être furtif dans celle-là. J'étais en mode rush gros bourrin quoi. Voilà quoi. Mais au moins, tu vois, voilà. Ah non, ça c'est raté, ok. J'étais en train de me dire, là j'ai les deux cochés. Mais non, non. C'est un peu l'inverse. Ok. Je vais faire continuer, on va regarder peut-être la cinématique et j'arrêterai là. En son temps, Sokolov était le génie incontesté de Dunwall. Ses inventions ont transformé la ville. De la tour, je les ai vus changer la capitale en prison. Et l'écouter pendant qu'il buvait et riait aux éclats, répétant inlassablement à ma mère à quel point il était brillant. Après sa mort, les inventions de Sokolov ont aidé un tyran à prendre le contrôle de l'Empire. Aujourd'hui, des années plus tard, Kirin Jindosh est le génie de Karnaca. Ce savant fou a fourni au duc d'affreuses machines. Des soldats mécaniques se déplaçant comme des hommes et qui peuvent tuer au moins aussi bien qu'eux. Je dois découvrir où ils retiennent Sokolov et le ramener vivant. Sauver un génie et en tuer un autre avant qu'il ne crée une armée de soldats mécaniques.
Yes, ça fait beaucoup de choses à faire. Ça va pas être facile. Ah bah, je voulais prendre la bourse. Ok. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, on va s'arrêter ici. Si il vous a plu, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut!